Welcome to... Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Ripley ? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anessidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Salut les amis, j'espère que vous me recevez bien, et bon retour dans le Jean-Baptiste Show. Et bienvenue je pense à bord du Sébastopol, en 2137. Et du coup vous l'aurez compris, nous sommes sur l'Insolation. Et autant dire qu'on va se faire dessus les amis. Je suis un peu deck d'ailleurs, parce que je ne peux pas me mettre totalement dans le noir. Parce que sinon, vous ne me voyez tout simplement pas.
C'est classe, hein. Ouh. Donc voilà, on a les graphismes pratiquement à fond. Je crois qu'on a seulement l'anisotrope qui est pas à donf. Et c'est vraiment très beau, comme vous pouvez le voir. C'est la première fois que je lance le jeu. Oh my god. Ok, c'était très cool. Donc si j'ai bien compris, je fais la recherche de ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est cool. Pour trouver la boîte noire du Nostromo. Donc là, ce serait cool si je pouvais trouver quelques vêtements. Oh, une douche! D'accord, donc c'est totalement useless. Où est ma combinaison? Ah, ça va être là-dedans. Cool! Ok, je suis habillé maintenant. Prochain objectif doit être de quitter la station, je pense. Oh, c'est immense. Oh, bonsoir! Quelqu'un de vivant! Bonjour, Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? C'est bon, meuf. On est potes. T'as vu Samuels? Non. Ça doit faire des heures qu'il est levé. Je vais le rejoindre. Il doit être mort. Alors... Taylor, je trouve que... Si, il va falloir vraiment pour éplucher les fichiers... Alors, qu'est-ce que ça dit? Aucune trace de l'équipage. En même temps, si vous avez vu le film, les amis, vous savez pourquoi nous n'avons aucune trace de l'équipage, n'est-ce pas? Blablabla. Ok. Ah, pas ce que je voulais faire. Très bien, merci. Ce terminal m'aurait été fort utile. Non, Gertrude. Bon, il faut que je trouve le vieux, là. Bon, t'as tellement de choses à explorer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Porte fermée. Bah voilà. Bon, ça limite les problèmes. Est-ce que je peux courir? Ça, c'est quoi ça? Oh, énorme. Je peux... Ah, je peux regarder juste au-dessus. Hé, meuf! Regarde, je te garde de haut. Non, ça marche plus. Ah si, c'est bon. Ah, c'est trop bizarre. Ok. Bon, ils sont les pas beaux. Bonsoir. Putain, je peux pas encore courir en fait, parce que je suis pas encore en stress là. Ok. Putain, c'est le bordel, hein. Très bien. Une échelle, peut-être qu'on va devoir monter. Ah, bonjour! C'est toi, Bertrand? Ah, salut mec. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. T'es un robot? C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. On a discuté. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis. C'est sûr, c'est un bot, ce mec. T'es un putain de bot, mec. J'en suis sûr. Personnel sur le pont. Station Sébastopol en approche. On est arrivé. Ok, je te suis, mec, parce que le pont, je sais pas trop où c'est. Putain, j'ai mis une barre de vie, c'est génial. Oh, ça fait peur un peu ces ondulations. Bon, en tout cas, j'espère que sur YouTube, la qualité est aussi cool que je le vois actuellement. Même si avec l'encodage et tout, j'ai peur que ce soit aussi beau. Enfin, je ne pense pas que ce soit aussi beau. Bon, ça me fait plaisir de partager ces instants avec vous, les amis. Peut-être mes derniers instants. Qui sait? Pas que je veuille être... Comment on dit... Ironique? Non, c'est pas le mot.
Pas grave. Oh, quelqu'un que je connais pas. Ou c'est la meuf de tout à l'heure. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Oui. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor. Mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing ? Salut, Connor. Observez l'approche sur les écrans. On doit se mettre où, là ? Ramassez votre briefing. C'est bon, j'ai mon briefing. Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts ? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV-7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Marshal ? Marshal, ici le Torrens. Répétez. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Ok, ça commence bien. Bonsoir bien les amis. Bonsoir. Ok. J'aurais aimé garder ma combi, mais je pense que ça va pas être très pratique. Hein. Ok. Ça les amis, vous me recevez 5 sur 5. Ça a l'air d'aller.
Donc nous sommes à bord de la station. Tout le monde est mort. C'est... Putain la vache. Ok, là on est dans l'ambiance là. Utilisez bande d'enregistrement pour sauvegarder votre progression. Vous serez averti si des ennemis sont proches. C'est ça les bandes d'enregistrement? Oh my god. Ils sont sérieux là. Voulez-vous écraser vos données? Oui. Il faut vraiment sauvegarder la partie à chaque fois. C'est quoi ça? Ok. Ok, c'est bon, je suis en stress, c'est parfait. Okay, c'est parti. Putain, c'est rien. Bonny. Qui c'est qui joue avec la lumière? Oh, ça me rappelle Dead Space, ce genre de couloir. Attention, stabilité de Sébastopol compromise. Veuillez vous rendre au poste de contrôle du Marshall et y rester jusqu'au réalignement des stabilisateurs orbitaux. Ok. Alors je passe là-dedans, c'est ça? Bonsoir. Moi j'ai vu les aliens, je sais qu'ils sont pas méchants les aliens en fait. C'est gentil, ils font pas, ils font mal à personne. Ok. Putain, je sens que ça va. Ça va y aller les jumpscares dans ce moment. Bonsoir. Ok, bon je pense que ça va être utile le terminal. Oh my god, fichier corrompu. D'accord. Putain, ça marche pas. Hé hey, Bobby! Putain de machine, démantèlement. Là, c'est entendu les bruits qui courent au sujet de Sébastopol. Je peux vous confirmer que cet officier Sébastopol est mis hors service. J'entrerai plus en détail avec chacun de vous en ce qui concerne vos contrats d'affectation. En attendant, encore du travail à faire. Sur l'extérieur pour aider. Je vais préciser que démantèlement ne veut pas dire pêche à la ligne. Ici, ça doit être compté. J'escorterai personnellement le Marshall Waits, toute personne trouvée en train de se servir dans l'équipement. J'escorterai personnellement au Marshall Waits, pardon. Fichier corrompu. Super. Merde, à chaque fois je me plante. Ok. Mais qu'est-ce que ces trucs que j'en rase partout? Il y a du craft dans ce jeu? Putain, c'est cool ça. Tu peux courir ou pas? Ouais, là je peux courir maintenant. Ah, tu peux courir maintenant? Tu flippes ta race. Ok. Oh, what the fuck! Oh putain. Sérieusement quoi? Oh, c'est la joie! C'est bon meuf. Tu vas connaître pire, t'inquiète. Je fais une petite chute là, non? C'était sympa. Super. Fumigène. C'est pas mal. Alors, A pour ouvrir l'inventaire. Utiliser mousse pour... Pour faire quoi, on sait pas. Fumigène. Putain d'accord. R pour activer. Oh my god. Bonsoir. Ah bonsoir, peut-être c'est bonjour là tu l'as. Ouvre le feu. J'ai droit pour viser. Je peux le lancer, c'est ça? Quelqu'un savait. C'est pas l'oiseau. D'accord. Stranger will be. Sorry. Les étrangers seront désolés. Continue à bouger. Ok, pas de soucis les mecs. Ça va bien se passer. Coucou. C'est Amanda. Y'a quelqu'un?
cool. Bonsoir. Il y a quelqu'un. Putain, ça fait trop flipper. Enfin, d'ailleurs, ça va, ça fait pas flipper. Comme certains trucs feraient flipper. Non, ça fait flipper sa race. C'est ça qui est énorme en fait. C'est que finalement, c'est juste un petit alien. Mais c'est pas rassurant du tout. C'est ça qui est bien finalement. This is the full rent. Utilisez ces terminaux pour mettre à jour la carte. Quel terminaux? Bonjour. C'est ça le terminaux? Attends, merde. Ah, à chaque fois je me fais avoir, c'est pas vrai. Ça, c'est le générateur. On va parler de terminaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Sauvegardons un petit coup. Il va falloir que j'ai de l'œil pour voir ces trucs-là. Je peux surveiller s'il y a un truc qui arrive. C'est bien ça. C'était en stress. Terminaux pour voir la carte. Donc là, j'ai une carte là. Oh putain, bien. Ça me rappelle Doom. Alors, c'est quoi ça? Il y a une boîte là, c'est ça? Bonjour. J'utilisais la carte. Ah, c'est ça la carte! Ah, d'accord. Du coup, il n'y a plus de lumière là. C'est dommage. Ok, bon, oui. Un autre couloir qui m'attend. Merci. Ok. Vas-y, petit générateur. Oh. Oh my god. Putain. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Cherche notre stock, je l'ai bougé et laissé en plein milieu où n'importe qui aurait pu le prendre. Tu sais que si tu me farcir pour l'avoir, j'ai planqué dans un KGB, tu devrais pouvoir le trouver. Le code c'est 040. Bon, je note les amis. 0340. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton, on va avoir besoin d'une paperasse. Oh, de fuck, couper le courant. Tout ce foutoir sera fini. Wait, terminé. Ah, je trouve que c'était une mission. Oh, j'ai eu peur. Hein? Comment ça a coupé le courant? D'accord, et pourquoi faut couper le courant? Il a pas dit. C'est bizarre tout ça, les amis. Rétablir le courant de départ. Fuck, y'a des gens là! Je devrais les suivre, non? Ok, ils ont fui par la droite. Peut-être je devrais les suivre, non? Ah, par la gauche. C'est quoi ce bruit? Les gens? Merde. Agent collant, pistolet seringue. D'accord. Ok, apparemment il s'est juste de passage. Agent collant, bon. Je vais tout prendre, hein. J'ai intérêt à avoir un bon sac à dos. Sisley's life for rent. Tomorrow, no future. Ok! Putain, mais what the fuck, mais il se passe quoi ici? Ok. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Putain, mais c'est pas possible. Genre, un alien, ça a fait tout ça, quoi. Foutriez pas un peu de moi, par hasard?
Ah, je peux pas passer. C'est verrouillé de toute façon. Ok. T'as le cours pas vite, hein, si on a des problèmes. On va pas trop compter là-dessus, hein. Vraiment des bruits chelous. Ok, non, je peux pas y aller. Ok. Putain, les amis, je sais pas si vous ressentez cette ambiance là. Oh, what the fuck? C'est quoi ça? C'est notre vaisseau? Je suis là! Verlaine! Je suis là! Contactez le Torrens. Comment je fais? Oh fuck! Qui est le bâtard qui a fermé les volets? Sérieusement, c'est vraiment pas très gentil, hein. Ok. Tout va bien. Je suis pas tout seul, ni dans le jeu, ni dans la réalité. Tout va bien. Bonsoir. Corps en fumigène, ça peut être utile. C'est quoi ça? Corps en générateur. Putain, mais faudrait pas les rallumer, hein, c'est une idée à la con. Si, c'est une idée à la con et je le fais. Une salle de jeu, génial. Ça passe quoi là? Je peux pas jouer à un autre jeu là. Moi je vais me détendre un peu là. Oh là, c'est ouf. Cette lumière. What the fuck? Bonsoir. Salut. Oh my god, ça fait longtemps que j'ai pas badé comme ça, quoi. Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Faut que je descende là, vraiment? Oh my god. Bon les amis, on essaie de se renseigner un peu, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être ça vous saoule que je lise les messages. Au pire, je le couperai si ça vous saoule. Dans ce message, ils disent grossièrement que voilà, la station elle va mal. Mais j'ai l'impression que c'était avant que ça dégénère. Apollo est l'IA centrale qui surveille et assiste tous les lambdas de Sixon sur Sébastopol. Elle supervise également toutes les communications sur la station. Où que vous soyez, vous êtes entre de bonnes mains. Oh my god, je suis sûr que l'ordinateur central il l'a pété un plomb. Putain, c'est GLaDOS numéro 2, les amis. Le retour de la vengeance. Ok. Bon, je descends, Bobby, hein. Putain, je sais pas ce que c'était, ce truc. Putain, il y a tellement des bruits, what the fuck. Salut. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain. Ok. Ok. Bonsoir. Quelqu'un? Tout est en train de partir en morceaux. C'est quoi ça? C'est un lave-tout.
utile. Enfin, peut-être pour dégager. Ah voilà. Pour récupérer des trucs. Ou pour rester caché. Est-ce que c'est beau, hein? Je peux sauter au moins? Putain, je vais même pas sauter. Ok. Ça va, hein? Putain, what the fuck?